proche de la prison va être un cauchemar tactique. Vous allez d'abord devoir vous frayer un chemin dans ce col. Considérons que l'ennemi contrôle toute la zone, alors attendez-vous à une résistance acharnée. À partir d'ici, les choses vont sûrement empirer. Considérons que l'ennemi est retranché de l'autre côté du col. Cette prison renferme les trois loyalistes. Si l'IAQ fouille leur mémoire, nous sommes dans de sales draps. Emparez-vous de la prison et évacuez les loyalistes. Salut tout le monde, c'est Crash FM Paradise FR. On se retrouve pour la partie 3 de la mission 2 de Opération Aube de Supreme Commander Fall Alliance. Donc, du coup, j'ai bien fait de sauvegarder la partie. Donc, je reprends là où j'étais. Là où j'avais commencé à détruire les tout ce qui nous attaque en fait, c'est les usines terrestres hein, et les usines aériennes. Donc du coup ils ont refabriqué un bouclier, donc je vais danser juste ici là. Mais par contre ça va pas trop tarder ça va pas trop tarder à détruire quoi. Donc ça me plaît pas du tout. Hein. Donc je te conseille un truc, c'est que tu lances ici. Que tu lances ça ici. Et que tu lances ici, juste ici là. Voilà. Voilà, on est débarrassé. Et je crois aussi qu'on a fabriqué ce dont on avait besoin, c'est les portes optiques. Donc on va en fabriquer deux comme ceci. Et ce qui est très chiant comme histoire, c'est que ça rame beaucoup trop. Hein. Donc, ce que je vous conseille un truc, c'est qu'on va, je vais faire une coupure vite fait. Je vais voir si j'utilise pas un autre logiciel. Donc, je vous dis à très très bientôt. Enfin, non, pas à bientôt. Je vous dis à tout de suite. Allez, on peut reprendre la partie. Je pense qu'ils ont détruit l'extracteur de masse. Ça me plaît pas du tout. Allez vous avoir. Alors voilà ici. Voilà. Ça vous éviterait. Nous vous transmettons les plans de la Luciole. Une bombe mobile qu'il vous suffit d'envoyer au point voulu et de faire sauter. Dostia, terminé. Allez, passons aux choses sérieuses. Bon bah c'est trop tard pour les générateurs là. Tout ça c'est inutile.
Là, du coup, c'est moins... C'est moins lent, je trouve. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Donc, vous, vous allez patrouiller dans l'eau. Parce que vous êtes les bombardiers torpilleurs. Et donc, je vous donne un ordre. D'aller patrouiller dans l'eau. Sur l'eau, pardon. Voilà, on va détruire ce bouclier là. Et aussi, tu vas détruire le l'ingénieur. Et je crois que je n'en ai besoin de... Le truc là, hop, on s'en occupe. Voilà. Vous, en attendant, vous allez attendre. Ou alors quoi que... Construisez donc un... Dostia m'a parlé de son mouchard. Oh oui, futée la petite, très futée, suivez ses instructions, oh oui. Ça ne regarde pas, Brackman. Vous vous affaiblissez chaque jour un peu plus, votre fin est proche. C'est un peu tôt, hein. Madame. J'ai appelé madame. Oui, je crois que c'est un peu tôt. Alors je crois que ça ne suffit pas largement. Quelque chose qui rame, pourquoi? Excuse-moi. Un petit rhume. Vous ne remporterez pas cette guerre. Votre alliance ne peut pas rivaliser avec la toute-puissance des Séraphim. Alors par contre, je ne vous permettrai pas de me tirer dessus. Non mais oh! Déjà on va se calmer.
ça y est, c'est fini. C'est foutu maintenant. Ils ont reconstruit... C'est foutu maintenant. Après, on va s'amuser un peu. Ça va pas le faire pour vous deux là. Alors, mes amis, pour éviter de regarder de trop de combats en permanence, je vais mettre en accéléré. Donc, pour éviter que ça soit trop long. Donc, voilà. Voilà, donc cette fois je viens de détruire la base de les bases d'Ions, donc ils pourront plus rien nous arrêter des nous attirer des ennuis encore, parce que vraiment c'est ils sont hardcore, vraiment hardcore. Ils sont brutales comme un porc. Je peux clairement vous dire, ils sont brutales comme un porc. Ah oui, comme ça tu dis, ils sont brutales comme un porc. Bah oui. Ah, c'est trop long, déjà là.
Voilà pourquoi je vous détruis. C'est la fin de cette guerre. Les gars, il est où le commandeur qui nous aide beaucoup là? Il est pas là. Bon. Il est pas encore ici. Détruis-moi ce truc là. Il fait vraiment une puissance vraiment phénoménale. Hein. Une bonne puissance de feu. Hein. Ce qui n'est pas acceptable du tout. Hein? Ça cogne, hein? Ça fait mal. On va vous avoir, t'inquiète pas. Vous ne mourrez pas, je suis beaucoup trop puissant. Ah, dommage, je l'ai pas eu. Allez, le lance-missile est bientôt prêt. On pourra l'attaquer. On pourra lancer un missile ce dont on en avait besoin. Et puis voilà. Est-ce qu'ils ont pas un autre anti-missile? Non, je crois pas. Mais il y a un anti-missile stratégique. Sur le thème stratégique, j'ai bien dit. Vous ne mourrez pas cette guerre. Je vous assure. À 100%, vous ne mourrez jamais cette guerre. Voilà, toi, tu vas tout réparer. Voilà, hop là. Oh la vache, ça cogne! Ça cogne, ça! Ça cogne dur, hein! Vous voyez ce que je veux dire? Je peux clairement vous dire, hein. Ça cogne vache. Ça cogne vachement. Très. Ça. Ça fait vachement mal, là. Oh bah là, l'autre, il est tout seul, là. Comme un porc. Oh là là. Je suis désolé pour lui. En plus, je me moque. Là. Oh là 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 là. Jamais vous ne remporterez cette guerre. Je suis beaucoup trop puissant. Lance-missile est prêt. Maintenant, il faut qu'on construise un site d'artillerie lourde. Non. Non, non, on va prendre autre chose. Tiens. Ah.
deux coups, c'est tout. Voilà. Vous n'avez aucune chance de vaincre les Séraphins. Oh si, allez. Oh si, 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 on va la voir. Tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. 100% conneries. Dès qu'on aura capturé ça, je vais m'arrêter là pour la partie 3. Ne vous en faites pas. Vous l'aurez pas ! On vous aura ! Bah c'est pour ça qu'ils sont hyperactifs, hein, ces enfoirés. Allez, tout ça, ça n'existe pas. Voilà. On vous a détruit. Un anti-missile. Ah oh là 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 là. Alors ça c'est la guerre le plus phénoménal. Hein. Oh yeah. Oh, le gros générateur là, regardez, regardez comment ils vont faire. Regarde, regarde comment il va détruire. Oh la vache. Oh j'adore cette guerre. Ah, 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 ah. Oh là là. J'adore les faire cramer. Écoutez, jamais tu en auras. C'est la seule chose que tu puisses être remarqué. Que tu ne fais confiance à lui-même. Mon activité favorite est la chasse au cyber. Mais tu en auras cette guerre. Yeah. Qu'est-ce qu'on s'amuse bien à tout casser. Oh. Oh là là. Jamais.
Jamais vous ne mourrez vaincu. Jamais vous ne pouvez vaincre. Ah oui, ça par contre faut pas le dire. Voilà, il y a plus rien. Il y a plus rien. Il y a plus rien qui traîne. J'ai tout détruit. Histoire digne de confiance. Ah bah t'auras de gros conséquences. Si tu vois ce que je veux dire. Jamais vous ne pouvez vaincre. Jamais vous m'aurez vaincu cette guerre. Plus important, c'est de tout détruire, tout simplement. Alors bon, zéro anti-missile. Bon. Je pense que ça va pas trop tarder. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que je vais aller capturer là-bas. Alors pendant ce temps-là, je vais faire une petite coupure dès que j'aurai atteint avec mon commandeur. Et ben, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est bon. Je crois qu'on peut capturer la prison loyaliste. Vous avez sauvé juste à temps, commandeur. L'IAQ entamait les derniers préparatifs pour l'implantation des neuropuces. Encore merci. Mathéa, terminé. Il est dommage que je n'ai pas pu extraire les informations désirées du cerveau de mes invités. Il y aura d'autres occasions. Les traîtres loyalistes ne quitteront jamais cette planète vivant. J'y veillerai personnellement. À contre-attaque. Très bien, bon bah on va protéger. Je crois que c'est pas fini.
Écoutez ma parole. Je suis la princesse Rhian Burk, souveraine légitime des Aeon. Les Séraphines ne sont pas les sauveurs qu'ils prétendent être. Ils n'apportent que mort et destruction. Princesse ? L'Ordre vous a trahi. L'évaluateur Kael ne recherche que le pouvoir personnel. Et elle n'hésitera pas à sacrifier ceux qui se trouvent sur son chemin. Le moment est venu de rejeter ses enseignements et de vous soulever contre ceux qui cherchent à détruire l'humanité. Soulevez-vous et combattez pour votre princesse. La princesse est en vie? J'ai du mal à y croire. On vous avait dit qu'elle était en vie, Selene. Mais malgré tout, vous l'avez quand même trahie. Vous avez pris votre décision et vous devez en assumer les conséquences. J'avais tort. Pardonnez-moi, princesse. Je peux arranger les choses. Lancement stratégique détecté. Nous avons repéré plusieurs lancements de missiles stratégiques. On dirait que les deux amoureux se disputent à coups d'armes nucléaires. Terminé. Lancement stratégique détecté. L'IAQ possède une UBC Cybran dans sa base. Je ne sais pas si elle est pilotée ou si c'est l'IAQ qui la contrôle. Quoi qu'il en soit, vous devez la détruire. QG, terminé. La trahison de Selene n'avait pas été prise en compte dans les possibilités. Peu importe, la situation a été réévaluée et ma victoire reste l'issue la plus probable. J'ai eu tort de m'allier à toi, monstre. Ta destruction lavera mes fautes. Quand vous aurez détruit l'UBC de l'IAQ, les forces loyalistes arriveront pour sécuriser le commandeur Séraphine. Ah oui, et je pourrai ensuite déchiffrer sa matrice de communication. La base de l'IAQ se trouve au nord-ouest et Selene a détruit la plupart de ses lance-missiles stratégiques. Rendez donc une petite visite à cette foutue machine. QG terminé. Mon influence est bien plus importante que vous ne le pensez. Bon, bah, je crois que, les potos, la partie 3 s'achève. J'espère qu'il vous aura plu. Lâchez des pouces bleus, comme d'habitude. Et là, cette fois, on va s'attaquer un commandeur de l'IAQ. Donc, je pense que dans la prochaine partie, il y aura la mort définitive d'un personnage de Brackman. Non, c'est pas Brackman qu'il faut les tuer. Hein. Tu t'es trompé sur votre compte. IAQ mérite d'être piraté et destruction.